Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec la boutique DIY Digital Arts. Donc je les remercie infiniment de leur confiance qu'ils m'accordent et de la belle collaboration qu'on a eue ensemble. Vraiment, c'est des gens très, très, très sympathiques et ça a été un réel plaisir de collaborer avec eux. Donc, je les remercie beaucoup. Donc, ils m'ont accordé un budget de 20 US, ce qui équivaut à 27 canadiens. Et j'ai fait ma sélection le 17 août. Ils m'ont confirmé le même jour et j'ai reçu le 1er septembre. Donc, ça fait à peu près 14 jours là, pour ce qui est de la réception. Donc, quand même, c'est dans les normes. Ensuite, ils m'ont également donné un code promo pour vous. Donc, c'est un code promo de 7%. Donc, avec les achats, là, ça vous donne 7% de rabais. Donc, c'est Carole, pas de E. Je vais vous l'indiquer ici en bas pour que vous voyez vraiment le code promo. Et pour ce qui est de la livraison est gratuite sur DIY Digital Arts à partir de 50 US d'achat. Donc, ça, c'est bien aussi. Pour ce qui est de la compagnie DIY Digital Arts, ils proposent du diamond painting, du point de croix. Ils font des toiles personnalisées. On peut retrouver des carnets, des porte-clés, des ornements, toutes sortes de choses. Franchement, ils ont beaucoup, beaucoup de choix à des prix très, très abordables. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais ça vous intéresse. J'ai pris un accessoire, j'ai pris une toile et également un carnet. On va aller ouvrir ça ensemble. Donc, je l'avais déjà pré-ouvert parce que il faut que je vérifie quelle compagnie c'était, parce que je ne savais pas. Donc, on a la toile ici. Non. Ah ben, on va commencer par ce que vous avez vu. Ouais, c'est tout. Donc, vous avez peut-être vu passer, mais c'est des petits autocollants comme ça ici, de Mickey, Minnie et Daisy, Pluto, Donald Duck, tout ça en petit bébé, trop mignon. J'aime beaucoup. Tu sais, des fois, on a juste le goût de faire quelque chose de rapide. Ah, il y a Mickey ici, de ce côté-là. Oh, j'aime beaucoup. Puis, c'est des diamants qui sont pas en strass. Donc, moi, j'aime ça. J'aime beaucoup. Donc, on va aller ouvrir ça. Des fois, ça fait changement des grosses toiles. Tu sais, des fois, on fait des gros, gros projets. Puis, à un moment donné, on est comme, bon, ben, je ferais quelque chose de vraiment plus rapide. Donc, un petit faire quelques petits autocollants comme ça, ben, ça peut être le fun de temps en temps pour alterner un petit peu. Donc, ici, on a un toolkit avec stylet, barquette et colle. Ça, c'est bien. On a nos diamants et on a nos autocollants. Donc, vous voyez, ils ne sont pas pliés du tout. Ouais, non. Donc, si on regarde, là, il n'y a aucun autocollant qui est plié. Mini, c'est sur le bord, là. Mais non, ça ne touche pas. Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment... ça me semble bien imprimé. Donc, je vais vous montrer de plus près, mais ça me semble bien comme... comme impression. Ouais. Donc, on va aller vérifier la colle. Donc, ça colle super bien. Même très bien. Donc, ça, c'est parfait. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 petits autocollants comme ça ici. Donc, quand même, il y a de quoi faire. Et on a ici nos diamants. Donc,
On va aller voir les couleurs. Donc, on a... Je perds un peu la voix. Pardon. Donc, ça fait... Je pense que c'est le deuxième unboxing que je fais de suite. Donc, c'est pour ça que je perds un peu la voix. Donc, ici, on a des diamants normaux noirs. Ici, on a du blanc. Ça, d'après moi, c'est du 38-65. C'est pas un blanc, blanc, blanc. On a du rose. On a du jaune. On a du bleu. Un beau bleu. Un autre bleu. Encore un autre bleu. Un rouge. Un orangé. Un vert. Une couleur framboise, un peu. Fuchsia, ouais. C'est comme un rose plus flash. Et un beige, beige orangé, un peu. Ouais. Donc, de très, 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 très belles couleurs. Ça, d'après moi, ça va être pour la peau, là. Ouais. Ouais. Ça va être pour la peau de Minnie et Mickey. Mm-hmm. Donc, de très belles couleurs. J'aime beaucoup. Et voilà, donc on va ranger ça. Et les petits autocollants comme ça ici étaient au prix de 4,06 $ canadiens. Donc quand même, pour 16 autocollants, ça vaut la peine. Et voilà, donc le premier ici. On va aller voir ensuite, j'ai reçu la toile, ben la toile. Le carnet que je vous ai mentionné pour ce qui est du concours. Donc, je n'ai reçu qu'un. Donc, par chance que j'en ai racheté un pour vous. Parce que, c'est ça, j'en ai juste un. Donc, celui-là, je vais le garder pour moi. Parce que j'en voulais absolument un. Et je me suis dit, si jamais on m'en donne pas deux, ben, il n'y a pas de problème, tu sais, je veux dire, ils sont pas obligés non plus, là. Ben, j'en ai acheté un pour vous exprès. Donc, comme ça, j'étais sûre d'en avoir un pour le concours. Donc, ça colle super bien. Ouais, il est vraiment trop beau, ce carnet-là. Je l'aime beaucoup. Ouais. Ça me semble bien imprimé, malgré certaines places peut-être un peu floues, mais pas si pire. Non, c'est peut-être au niveau des 7 que ça on vous dirait, c'est un peu flou. Mais à la caméra, ça paraît parfait. Ça barre quoi. Ça paraît mieux. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Et comme celui que j'ai acheté, c'est des pages non lignées. Et le dos est en simili-cuir. Donc, vraiment, un toucher agréable. Et les carnets, ce qui est le fun, quand on pose les diamants, ça fait comme un effet moelleux. Je sais pas, c'est toujours agréable de poser des diamants sur les carnets. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça vient avec un toolkit de base comme ça ici, avec les pinces. Donc, le stylet, les pinces, la barquette, la colle. Les pinces, ça pince pas grand-chose, mais ça le mérite d'être là quand même. On a nos diamants. Donc, je vais vous les remontrer vu que c'est un partenariat. Donc, on va ouvrir ça. Et voilà. Oh, ils sont tellement beaux. Donc, on a des diamants noirs normaux. On a ici des strass un peu style couleur coca. On a des roses. On a des strass verts. On a des belles petites roses comme ça ici. Elles sont vraiment trop, trop belles. J'adore. Ah, on a un intrus ici. On a des yeux de chat verts, holographiques. Et ici, on a des belles petites fleurs roses comme ça ici. Elles sont trop belles. J'aime beaucoup. Diamants. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais ce carnet-là. Vraiment, parce que je trouve les diamants absolument magnifiques. Donc,
Donc, le carnet était au prix de 11,17 $ canadiens au moment de ma sélection. Donc, et voilà. Je vais ranger ça pour ne pas perdre les diamants. Je vais tout remettre dans la petite enveloppe. Ça aussi, c'est génial. J'aime ça. Ça vient avec des petites enveloppes comme ça. Hein? Après, on remet tout dedans. Donc, c'est génial. Ça, ça. Et ça, je vais mettre ça à l'arrière. Et voilà. Donc, ça. Et j'ai, pour finir, j'ai choisi une toile. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette image. Je vais vous montrer, c'est sur le thème d'Halloween. C'est en diamant carré. Et c'est cette petite image-là que j'ai choisie. Une petite souris avec, on dirait qu'elle a pour robe, une jupe plutôt, en forme de citrouille. Elle est trop cute! Donc, j'ai très hâte de voir. C'est une 30 par 40 en diamant carré. On a 30 couleurs qu'on peut voir déjà. Donc, j'ai trop hâte de voir. Puis l'impression, ça a l'air superbe. Oh! Elle est trop mignonne! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve trop cute. Oh, regardez-moi cette feuille. Ben, moi, il faut dire aussi que j'aime l'automne, là, donc les couleurs de l'automne, j'adore ça. Donc, on va aller voir. Donc, ça a été un véritable coup de cœur quand j'ai vu cette image. Je me suis dit, il me la faut. Puis en même temps, je me suis dit que ça va vous faire différent des Disney et des Gorgeous. Donc, elle est trop, trop belle. Regardez-moi ça. Comment elle est mignonne. La petite souris. Ah, j'adore, 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 j'adore. Et c'est le fournisseur que j'aime beaucoup. Donc, la toile est très, très, très souple. Donc ça, ça se met très rapidement à plat. Donc, elle est trop, trop choupie. Oh, je l'aime beaucoup. Oh, wow. Wow, 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 wow. Donc, je vais replacer le film plastique. Je vais juste prendre ma spatule. Parce que là, vous ne voyez pas super bien parce que le plastique est comme tout plié. Là. La statue. Donc, on va faire l'autre côté. Oups, ça va faire des petits creux, par exemple. Et voilà. Donc, je l'arrangerai mieux après parce qu'il y a le petit creux ici. Mais bon, c'est pas si pire que ça. Donc, et voilà la petite mignonnerie. Elle est trop belle, mais vraiment trop belle. Avec les couleurs automnales. J'aime beaucoup. Donc, on va aller voir les couleurs après, là, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est en format paysage. Ouais. Donc, vous voyez, format paysage. Donc, c'est ce sens-là. On a ici la table des matières à gauche, en bas, avec une petite miniature. Et en haut, à droite, la table des matières, encore une fois, qui est reprise, avec une autre petite miniature. Donc, ici, les diamants, je vais vérifier si c'est la bonne référence. Donc, le numéro de référence est ZQ1493. Ouais, donc on a les bons diamants avec la bonne toile. Oh mon Dieu, regardez-moi ça, ces couleurs-là. Wow!
J'aurais cru plus de orangé, mais on va aller voir. Il y a beaucoup de roses. On va aller voir. Donc, je vais aussi ici, on a un toolkit très complet. On a le stylet pailleté avec un multiplacer de 4, un multiplacer de 9. On a une pince qui ne pince pas tant, mais c'est de meilleure qualité que la pince en plastique noir. On a 4 pains de cire au total et on a un petit squishy ici pour plus de confort. Et avec le. Voyons. Avec la barquette avec bec verseur, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est. Quand même, c'est un bon toolkit, ça, ici. Donc, c'est ce que j'aime avec les diamants carrés. Les toiles sont. Les toiles en diamants carrés dans les petites boutiques comme ça. C'est vraiment souvent taille presque réelle. Et en plus, on a des toolkits qui sont vraiment de meilleure qualité. Donc, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers que les toiles en rond, mais quand même, c'est pas trop pire, là. Donc, on va aller la mesurer. Donc, elle mesure 29,5 par 30. Ouais. Donc, non, 30. Ou j'ai mal vu, 39. Non, c'est ça, c'est 39,5. Pardon. La taille est de 39,5 par 30 cm. Donc, presque, il manque juste 0,5 cm pour faire une réelle 30 par 40. Donc, elle est vraiment trop, trop belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est quand même pas si pire. Il y a des ongles qui, ça va être bloc, comme le fond. Puis, ici, un peu plus confetti. Ici aussi, mais le chapeau est quand même bloc. Ici, un peu confetti. Au niveau des feuilles, c'est confetti et bloc. Donc, quand même, ça devrait bien se faire... Je trouve que l'impression, elle est superbe. Donc, on a alternance de symboles blancs et symboles noirs. Ouais, franchement, là. Comme ici, on a du vert là, au centre de la feuille. C'est superbe. J'aime beaucoup. La petite citrouille. Donc, de très belles couleurs. Ah oui, on va aller vérifier la colle pour être sûr que ça colle bien. Donc, ça colle super bien. Oui, très, très bien. ensuite, on va aller voir nos couleurs. Donc, si je vais mettre ça de côté, on va aller voir les belles couleurs. Donc, j'espère avoir quand même du orange pour la citrouille, puis les feuilles. Désolée pour les oreilles. Je vais toutes les sortir. Ah oui, je vois du orange. OK. Donc, on a... Ah, c'est des diamants en acrylique. Je peux déjà vous le dire parce qu'ils sont piqués. Donc, on a un beau rose comme ça ici. Donc, on a le numéro de DMC. Ça, c'est le fun. Puis le nom de la quantité qu'on a dans... ouais, ça, j'ai oublié de mentionner. Ici, dans la table des matières, on a ici le numéro des symboles. On a les symboles, ici. Et ici, on a la DMC de chacun. Et ici, le nombre de diamants par sachet. Donc, c'est génial. Tout est bien noté. Moi, ça, j'aime ça. Comme ça. Ça aussi, c'est un point positif pour les toiles en diamants carrés. Donc, ici, le beau rose. On a cette couleur-là ici. Oh, quand même, lui, on en a beaucoup. Ouais. Donc, c'est comme un beige couleur peau, un peu. Mais plus foncé. Ici, on a un mauve très foncé. Ben, c'est comme bourgogne, plutôt. Ici, on a une couleur caramel.
Donc ici, un genre de couleur, un brun rouge. Donc les couleurs, on dirait, ils ressortent pas la même couleur que vous. Moi, je vois sur la caméra, je vois le rendu là, puis la couleur est pas pareille du tout. Mais bon, c'est à cause de la luminosité, j'imagine, ou de la caméra, je sais pas. Mais comme ça ici, c'est comme plus un beige, puis vous le voyez comme un peu jaunâtre. C'est bizarre. Ici, on a un rose, mais on n'en a pas beaucoup. Hein. Un rose pâle pâle. Oh! C'est le 819 en plus. Donc, on a tout ça de 819, mais ça va où, ça? 819 sur la toile. C'est le symbole... d'un genre de crochet. Non, c'est le R minuscule. Mais il est où? Pour en avoir autant? Ah! Ah! OK! Tout ça ici, en fait, c'est du rose. Mais pourquoi? Pour moi, c'est beige, pas rose. Ah ben là, je comprends pas. Dites-moi, vous voyez que c'est pas rose, ça? C'est beige? Je sais pas. Je suis vraiment... perplexe. Ouais. Une couleur ciel rose. Je sais pas. Hein? Je sais vraiment pas trop ce que ça va donner. Là, j'ai une petite déception. J'aime beaucoup le 819, là, mais en fond, comme ça, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça étrange. Donc, si on regarde pour les couleurs du fond, là, c'est le crochet. Le crochet, c'est... 21. Ah! Donc, c'est un mélange de ça et de ça. Pour ce qui est du fond. Ça, je peux comprendre. Mais ça? Je sais pas trop. Ouais. Donc, à voir. On verra une fois qu'on commence à diamanter. Je sais pas si... Ben, c'est comme pas évident si on veut changer les couleurs, là, parce que c'est comme ça va faire un dégradé. Puis là, ben, je suis comme pas trop sûre de quelle couleur aller avec quelle couleur, là. Donc, ouais, ben, je sais pas ce que ça va donner. À voir. Donc, je vais vous montrer le reste de couleurs ici. Ah, on a un petit intrus. Donc... on a des orangés, mais pas à la tonne. Comme ça, ici, il tire un peu sur le rouge. On a un autre orangé, mais on n'en a pas à la tonne non plus. Jaune-orange. On a d'autres roses. Comme ça, ici. On a un genre de fuchsia. Un rouge. Ici, on a des gris, couleur taupe. Mauve très foncé, tirant sur le brun, un gris. Donc, ces couleurs-là ici. Et on a beaucoup de brun, caramel, beige. Comme ça ici. Ici. Et on a un gris, je pense que je l'avais montré. Et ici, c'est le 3371. Donc, c'est un... On dirait un mauve, mais très, très, très foncé. Ouais. Donc, à voir, je me pose la question pour ce qui est du fond avec les diamants roses comme ça. Je sais pas. Je suis perplexe. Cette toile était au prix de 10,83 $ canadiens. Donc, je vais remettre ma petite sélection ici. Je vais ressortir mon carnet. J'ai oublié de vous montrer, j'avais aussi demandé
un multiplacer de 6, mais j'ai reçu un multiplacer de 3. Mais c'est pas bien grave, là. 3, c'est quand même bien. C'est juste que j'aime beaucoup quand que c'est des 6. Mais c'est ça. Donc, j'ai reçu un multiplacer de 3. Peut-être que le 6 est en rupture de stock. Ça, c'est une possibilité. Il faudrait que je leur mentionne. Donc, pour ce qui est du prix du multiplacer, c'était au prix de 1,69 $ canadiens. Donc, et voilà. J'avais complètement oublié ce multiplacer-là ici. Et voilà, donc c'est tout pour ce unboxing-ci. Donc je remercie encore la compagnie DIY Digital Arts pour leur confiance et la belle collaboration qu'on a eue. Je suis plus que ravie. Donc merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé le contenu et également à commenter. Ça fait toujours, toujours plaisir de vous lire. Et évidemment aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous remercie à l'avance et je vous fais d'énormes bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci! Bye bye!